Si vous aimez décorer votre Instagram, aujourd'hui j'ai un site spécial pour vous. Vous allez y trouver des photos très cool à mettre sur Insta. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Alors, avec ce site web, vous allez pouvoir faire ce genre de feed Instagram. C'est des feeds que vous allez retrouver surtout chez les influenceurs. Maintenant, on passe au site web. Allons-y. Alors, Pixel, c'est un site où vous allez trouver des photos libres de droit. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous allez y trouver des photos que vous pouvez utiliser soit sur Instagram et même sur votre site. Je vais taper par exemple « architecture ». Et là, vous voyez, vous allez trouver des photos très, très jolies que vous pouvez juste télécharger et mettre sur votre feed. Autre chose que vous pouvez faire des recherches de différentes manières. La première, c'est par exemple si vous avez un code couleur à respecter sur Instagram, de taper le code couleur. Par exemple, si votre Instagram est dominé par la couleur noire, vous mettez noir et vous allez voir plusieurs photos de couleur noire. Je vous montre. On va taper marron pour changer. Et là, vous voyez, vous allez trouver plusieurs photos qui sont dans les couleurs marron. Autre que la recherche de couleurs, vous pouvez rechercher en fait des photos avec un objet bien déterminé. Par exemple, vous tapez fleur ou miroir. Je vais taper miroir. Et là, vous allez voir, vous allez trouver des photos de miroir très créatives. Par exemple, celle-ci, que vous pouvez juste télécharger gratuitement et mettre sur Instagram. J'en ai téléchargé quelques-uns. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Unshot et faire un collage pour vous montrer ce que ça peut donner sur un feed. J'en ai trouvé pas mal de belles photos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'Instagram d'une blogueuse que vous devez suivre sûrement. Elle s'appelle Alfie, son nom d'Instagram c'est Leslie. Elle fait franchement des très belles photos. Donc on va aller sur son Insta et capturer quelques de ses photos pour les utiliser. Donc voilà, vous venez de savoir comment faire pour avoir un feed harmonieux avec des photos illustratives cool que vous pouvez télécharger gratuitement grâce au site Pixel. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Miss Digital avec d'autres astuces. Bye !